Hey Et donc salut à tous les amis On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 58 sur notre Let's Play sur pack Chroma Technology Et aujourd'hui les amis, on va continuer la suite en fait du réacteur que nous avons fait juste derrière dans le dernier épisode On va l'améliorer pour produire encore plus d'énergie Mais surtout pour utiliser une capacité de ce réacteur là pour produire de l'énergie Et ça vous allez voir les amis, ça va être plus... Simple, il va falloir tout simplement en fait utiliser une chose de ce réacteur là qui est tout simplement la chaleur pour l'utiliser à différents endroits et c'est ce qu'on va voir dès à présent. Tout d'abord, ce réacteur là, je l'ai mis à un injection de rate de 16 et comme ça, il me produit déjà 1,56 millions de RF par tick, ce qui est assez énorme. On peut même encore ajuster le rate pour qu'il produise encore plus, mais vous allez voir qu'on va pas avoir besoin de ça. Pourquoi Parce que ce réacteur là me produit ici de la chaleur à fond. Et cette chaleur-là, on va pouvoir l'utiliser pour tout simplement nous faire de la vapeur d'eau, un peu comme on avait fait avec Extreme Reactor. On va faire de la vapeur d'eau pour tout simplement, eh bien, générer de la, de l'énergie, tout simplement, grâce à une turbine à vapeur du mode Mécanisme. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est récupérer ici un Quantum porteur et en fait on va retourner à ce niveau-là. Vous vous souvenez, j'avais mis un, ré un réacteur porte ici et en fait on va tout simplement se connecter là-dessus. On va se mettre ici en hit qui est juste là. On va se mettre en auto inject de partout. Voilà. Donc les autres, on s'en fiche. On va mettre du, de la output. Hein. Voilà, comme ça on aura. On n'aura pas... Enfin, on va pas se mettre en output, on va se mettre en non, je veux dire, voilà. Comme ceci, parce qu'on n'en a pas besoin, en fait, tout simplement. Donc, autant tout déconnecter pour pas faire d'erreur. Voilà. Et à partir de là, eh bien, il va suffire tout simplement de faire hit ici et de me faire un channel private. On va marquer hit. Voilà. Et on va faire save. Et ici, normalement, c'est bon. Alors, comme ça, en fait, la chaleur va tout simplement arriver dans mon contourment englobateur et je vais pouvoir l'utiliser à différents endroits. Donc, ça, ça va être trop bien. Si on regarde au niveau du hit ici, on va on produit quand même pas mal de chaleur. Donc, ça, ça va être plutôt pas mal. Ok. Alors, les amis, ce que j'ai fait, c'est tout simplement ici. Je me suis crafté des boiler casing, des structural glass, des boiler valve Je vais tout vous expliquer juste après. Si j'ai des autocrafts avec un plat, et du coup, ça a été super vite. Parce que dans un premier temps, il va falloir générer cette vapeur là. Et pour la créer, il va falloir faire ce qu'on appelle un boiler dans mécanisme. Alors, ce que j'ai fait, c'est ici. J'ai fait un endroit pour aller voir les turbines. Donc, comme ça, regardez, c'est juste ici. En fait, c'est juste derrière mon, mon, mon Blue Magic. C'est juste ici une petite salle que j'ai fait. Et du coup, on va pouvoir mettre en place un boiler. Alors comment on va faire ça On va mettre ça dans des chunks pour que ça soit bien mieux. Et on va essayer de calculer de combien on va le faire. Je ne sais pas encore de combien. On va voir ça dans un instant. Si je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 par combien 14 par 14, ça peut être pas mal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, ouais, on va faire 14 par 14. Comme ça, ça peut être déjà très très bien. Et on va avoir un assez gros boiler. Hop, on va fermer ça. On va faire ça comme ceci. Et puis moi, je vais tout simplement refermer ici. Voilà. Euh, non, c'était juste à côté. Ok, nickel. Et je vais le monter en hauteur jusqu'à je sais pas combien. On va bien voir. Peut-être pas le faire non plus si haut que ça. Mais dans tous les cas, ça va me générer du steam. Ça, je le sais. <laughs> Vous allez voir ça dans un instant. Ok les amis, maintenant que j'ai fait tout ce qui est mon casing, en fait ma boîte pour mon boiler, il va falloir que j'ajoute à l'intérieur différentes choses. Et dans un premier temps, ce qu'on va ajouter, c'est des super heating elements. Ces choses-là vont me permettre simplement de chauffer l'eau qu'on va mettre à l'intérieur et tout simplement, à partir de là, me, gérer, me générer du steam. Pour ça, ça va être très simple. On va devoir les poser juste ici. Voilà, de cette sorte. Comme cela. Voilà. Et ça, on peut les placer sur un ou deux de hauteur. Comme ça, ça sera encore mieux. Donc, ça, voilà. Je vais faire ça. Et je vais tout simplement. Eh bien, c'est en train de m'en crafter. Hein, ça prend du temps. Je vais tout simplement ensuite l'assembler comme ceci pour faire un gros euh, super heating element juste ici. Comme ça, ça sera plutôt pas mal. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, on va placer des pressions disperseurs qui vont tout simplement amener le steam, la vapeur d'eau. Ici sur ce layer là donc il va falloir laisser un espace juste ici et on va pouvoir poser nos pressions disperseurs juste là voilà on va pouvoir maintenant faire notre élément comme ceci voilà là on est plutôt pas mal les amis. Ok. Bon bah, maintenant qu'on a tout ça, ça devrait être déjà pas mal. On va pouvoir refermer tout ça. Il va nous manquer juste une chose à rajouter. Ça va être tout ce qui va être tout simplement. Eh bien, euh, les valves. Donc ça, on va pouvoir les ajouter maintenant à différents endroits. Donc je pense qu'on va cacher tout ça sur les côtés et peut-être bien derrière aussi. Donc déjà dans un premier temps, on va mettre juste ici un, euh, une valve. Donc vous voyez là, ça s'est assemblé. Maintenant qu'on a une valve, on va pouvoir aller à l'intérieur. On va pouvoir ici, dans cette valve là, lui amener tout simplement de l'eau et bien pour ça on va utiliser un sink ok et un translocator comme on avait l'habitude de faire juste avant donc euh, liquide translocator on en a encore juste ici voilà on va prendre avec nous aussi de la glowstone on va pas l'oublier ça parce que c'est très utile et ce que je vais faire c'est très simple c'est je vais poser ici mon sink je vais mettre là les translocators je vais activer ça, je vais bien évidemment mettre de la glowstone juste ici, et là on devrait voir qu'en fait on a de l'eau qui est en train d'être amenée juste ici. Donc ça c'est plutôt pas mal et ça va m'en mettre énormément d'eau parce qu'il faut remplir tout ça quand même. Ok, la deuxième chose à rajouter, on va remettre encore une fois un autre, une autre valve. On va la poser, je pense, juste ici. Alors ouais, ça va se déconnecter là-bas. Du coup, c'est pour ça que je vais attendre de mettre toutes mes valves. Et on va en mettre une autre de valve juste ici. Voilà, là, ça va être très très bien. Ok, on va la placer juste là. Quoique, je pourrais peut-être limite la mettre autre part la valve. Je vais peut-être la poser juste là. Vous allez voir les amis. On va la mettre au milieu. Mmh, ouais, juste ici. Tenez. Hop ça c'est bon On va mettre en map trois les unes à côté des autres euh, ça peut être utile par la suite Donc là normalement ça devrait être tout bon Ok bon bah, ça on peut le, le jeter Et on va pouvoir maintenant Et eh bien les remettre ici Voilà ça ça va commencer On va récupérer le quantum en tant que de tout à l'heure Voilà on va mettre ça ici On va mettre en private en hit Ok et le site config le hit On va se mettre ici Alors c'est que l'output Euh... Que de l'output, mais normalement ça chauffe directement. Ouais, c'est bon, ok. Du coup, vous avez vu la température, comment elle est en train d'augmenter et c'est en train de me générer masse steam ici. Alors, l'eau ne suit pas, comme vous pouvez le voir. L'eau ne suit pas et on va pouvoir améliorer ça. C'est à dire qu'il me reste normalement des valves. Si je fais valve, il m'en reste 5 des valves. Donc, en vrai, ce que je vais faire pour améliorer la chose, c'est que je vais mettre deux autres valves ici et deux autres valves là pour lui insérer toujours plus d'eau parce que vous allez voir qu'on va en avoir besoin quand même. De masse de tout ça, donc voilà. On va faire ça. Je vais rajouter des sinks. Normalement, j'en ai encore un petit peu. J'en ai trois ici, mais est-ce qu'on peut en refaire euh, J'ai pas de water bucket, mais est-ce que j'ai des buckets Bucket, ouais. Ah, si, j'ai un water bucket. Bon, on va refaire des sauts d'eau de façon, c'est toujours utile. Voilà, on va faire ça. Et là, on va pouvoir se refaire quelques sinks. Donc en vrai, il m'en manque quoi Il m'en manque deux. Donc en voilà un et le deuxième, juste ici. En voilà deux. Ok, on va remettre ici du coup nos syncs, juste là. Regardez les amis, on va faire là et là. Ok, juste au-dessus, c'était mieux. Ok, là et enfin un ici. Hop, et un ici. Euh, J'en ai fait un en trop, d'ailleurs. Euh, Je suis en train de me dire, est-ce que, euh, est que les translocators, c'est plus rapide que les pipes mmh, C'est à voir. C'est à voir parce que là, on a combien on génère. Je vais regarder vite fait comme ça, combien ça fait en génération, ok. Et si je prends par exemple un ultimate, euh, ultimate c'est mechanical pipe, juste ici. Si je casse ça, est-ce qu'on générerait pas un petit peu plus On va voir ça. Si je fais ça, et si je l'assemble avec mon, euh, mon configurateur ici, donc c'est-à-dire que ici je vais le déconnecter, voilà. On va euh, recliquer dessus, ok. Et là si je fais un extract comme ça, est-ce qu'on produirait pas un petit peu plus si carrément, on produit largement plus. Si je fais ça, là c'est ah, si, on, on produit largement plus comme ça. Donc en soi, ce que je vais faire, c'est très simple, c'est que je vais casser ça et je vais mettre en fait des ultimate mechanical pipe comme ceci, voilà, et je vais tous les, les, les linker en fait. Regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit peu de place ici quand même, parce que parce que bon, on a plus de place. Et ça, je vais les mettre tous en output, voilà, comme ceci. Et là normalement, ça devrait me générer quand même. Pas mal de steam, voilà. Là on est bien les amis, on est plutôt bien. On est à 32 000 millibuckets par tick. En vrai c'est cool. Euh, ici max boil, on peut augmenter encore, mais il me faut encore plus d'insert d'eau. Mais c'est déjà pas mal. En vrai on n'a pas besoin de beaucoup plus. Maintenant qu'on a ça les amis, eh bien on va pouvoir s'attarder à la turbine. Regardez là on a du steam qui, qui est juste ici. Qu'est-ce qu'on ça c'est cool. Bon on va s'occuper du coup de la turbine qui va être juste à côté. Ok, les amis, là ce que j'ai fait, c'est tout simplement comme le boiler, j'ai fait tout simplement la size de celui-ci, de cette turbine-là, et j'ai commencé à poser un peu tous les blocs qui étaient un petit peu relous. Et là, on va passer à l'assemblage de la turbine. Ce que j'ai fait, c'est une turbine de 15 par 15 par 18 de haut, comme ça on est bon, sachant que la maximum size c'est 17 par 17 sur 18 de haut. Bon, moi c'était tout le temps pour la laisser dans un seul chunk et qu'on soit tranquille là-dessus. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est récupérer le milieu de cette turbine-là. Donc, si on regarde, c'est 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, il va falloir aller à 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Juste ici. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Juste ici. Alors, le centre est juste là. Et on va pouvoir monter de 14 de haut comme ceci. Alors, 2, 3, mince. <laughs> c'est pas ça que je voulais. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de haut. Maintenant que j'ai ça, juste au-dessus de ça, je vais mettre un rotational complexe comme ceci. Et à partir de là, je vais rajouter tout simplement des blades. J'ai juste à faire clic droit, sachant qu'il y a deux blades par euh, rotor. Donc hop, on va pouvoir mettre 28 blades au total. Et ça va ressembler à quelque chose de ce style. Voilà, c'est plutôt pas mal. On a déjà les blades, tout ça. Et c'est déjà beaucoup plus classe qu'extrême réacteur Comme vous pouvez le voir, regardez d'ici, c'est hyper beau. C'est hyper beau, on peut pas dire le contraire. A partir de là, vous allez reprendre comme sur ici le boiler, des pressures disperseurs que vous allez poser tout simplement à ce niveau-là. Voilà, on va mettre des pressures disperseurs tout simplement au niveau de notre rotational complexe. Voilà, comme ceci. Ok. Et on va faire tout simplement tout ce layer là. Comme ceci, voilà. Rien de très compliqué. Il va juste falloir que je recrafte un petit peu de pression disperseur. Mais voilà, j'en avais qu'ils étaient en train de recraft. Donc normalement, ça devrait suffire. Ok, je vais faire ça ici. Voilà, juste là. Est-ce que je vais en avoir assez? Et j'ai bien l'impression que non. On va en faire une dizaine. Voilà. 20. Normalement, ça devrait suffire. Il va me les crafter. Et comme ça, on sera tranquille. Et je vais pouvoir finir cette, euh, ce side-là. Comme ça, ça sera tout bon. Et on va pouvoir passer. Au layer supérieur. Et vous allez voir que layer supérieur, il y a des petites choses à faire supplémentaires qu'on va voir ensemble pour que je puisse un petit peu vous les expliquer. Hop, je vais pouvoir but de ça et ce sera tout bon. Ok, le layer supérieur les amis c'est en fait l'endroit où on a le rotational complexe et à partir de là en fait on va pouvoir mettre des éléments, je vous les ai mis dans les quêtes ici, ça va être juste ici l'électromagnétique coil. Donc cette chose là on peut en mettre plus ou moins, alors ça dépend de la taille de votre réacteur et c'est lui qui va permettre simplement de générer l'énergie. En fait ça va tout simplement euh, faire le rotor va bouger cette chose-là, va tout simplement générer l'énergie avec un effet de mouvement. Donc nous, il va nous falloir de l'électromagnétique coil et je vais calculer combien je vais en faire. Je vais, je vais bien voir. Petite information, les coils que je suis en train de faire, il faut savoir qu'un coil, ça supporte 4 blades. Donc, sachant que nous, on en a 28, on va devoir faire un total de 7 électromagnétiques coils. Donc, c'est comme ça, ça paraît logique. Et c'est le petit calcul pour faire, pour trouver combien il vous en faut. Et c'est pour ça que je vous dis, ça dépend de la taille de votre réacteur, enfin de votre turbine. Parce que si vous faites une toute petite turbine et que vous avez, allez, on va dire 8 blades, eh bien, il va falloir faire que 2 et ça suffira Donc là j'ai mes 7 électromagnètes Et ce que je vais faire c'est bien le coller un ici Et ensuite ce que je peux faire c'est tout simplement Quelque chose comme ça voilà Il limite euh, je peux je peux, le, je peux le coller comme ceci Voilà ça, ça suffit et, et tant que c'est connecté ensemble C'est tout bon Ok donc ça c'est nickel ok alors ce que j'ai fait là les amis c'est très simple c'est ici donc il y a les pressions disperseurs j'ai mes électromagnétiques coils juste au, au centre j'ai mis une turbine valve ça va être par là qu'on va tout simplement extraire l'énergie euh, ce que j'ai fait aussi c'est sur les côtés ici regardez j'ai cassé ici un endroit et j'ai mis des turbines vents en fait il faut mettre des turbines vents ici pour aérer on va dire un peu la chose de toute façon tout est expliqué ici euh, à cet endroit là voilà et en fait il faut placer ça en fait au, euh, au niveau du rotational complexe donc à ce niveau là et en fait ce que je vais Faire c'est très simple, c'est je vais mettre Turbine Vent ici et Turbine Vent au-dessus, comme ça on sera très très bien. Bon bah du coup j'attendais que tout ça se craft. Je sais pas si j'en aurais assez, je ne pense pas, il va falloir que j'en recrafte encore, allez, on va dire 100, comme ça on sera tranquille. Et je vais pouvoir refermer ma turbine comme ceci pour tout simplement eh bien pouvoir commencer à produire de l'énergie et surtout à assembler ma turbine parce que bon euh, il faut bien. Sachant que j'ai posé aussi ici à, à ce niveau-là des euh, valves. Tout simplement, c'est ici qu'on va amener le steam qu'on produit juste là tout simplement avec des pressures pipe euh, voilà ce qu'on ce qu'on qu avait depuis tout à l'heure enfin les fluides et comme ça ça sera très très bien on va pouvoir commencer à produire de l'énergie ok les amis la turbine est terminée regardez on peut faire clic droit dessus tout est bon euh, tout est bon voilà ça c'est fait on a ici nos valves on a la dernière valve qui est juste ici ce qu'on va pouvoir prendre c'est tout simplement les ultimates. alors si je le marque mieux ultimate juste ici euh... Mechanical Pipe, ok, nickel, et ça on va pouvoir les relier juste ici. Donc, je vais le relier ça comme ça, ok. Et je vais les monter tout simplement euh, comme ceci. Voilà, là, ça sera très très bien. Et là, regardez, c'est en, en train de me produire de l'énergie. Alors, ouais, ça me produit quelques millions de RF, quoi. Hein. Là, c'est pas encore à fond. Mais si on regarde ici, on est. Voilà, ça, là, ça, ça a tout mangé. Mais si on va ici maintenant, regardez, ça va tout simplement se stabiliser. Ça va, ça va descendre. Et en fait, ça va être par rapport à ma production de steam. Ça va me produire plus ou moins de, Plus ou moins d'énergie. Donc, là, on n'est pas fou. Comme vous pouvez le voir, on est 1,3 million de RF par C'est pas énorme, c'est tout simplement parce que mon boiler ici ne suit pas, euh, ne suit pas au niveau eh bien, du steam. Ça produit que 32 000 mini buckets par tic. En fait, ce qu'il va juste falloir faire, c'est énormément d'eau à ajouter à l'intérieur. Et c'est juste ça en fait qu'il va falloir que je fasse. Mais après, tout ira bien, vous inquiétez pas les amis. Mais dans tous les cas, je pense qu'on peut produire ouais, du 20 millions de RF par tick. Je pense grâce à ça, euh, ça va être plutôt... Pas mal, sachant qu'on a ça Mais on a aussi, alors déjà on va prendre Un, on va prendre un flex plug Juste ici, voilà Et on va le relier là à notre énergie Comme ça, ça va se vider, ça va m'insérer tout ça Dans mon énergie au niveau Et eh bien de euh, De ma boule Draco, ce qu'il faut pas oublier Quand on commence à récupérer la chaleur Du réacteur ici, c'est que la production Diminue de moins la moitié On était à 1,5 million De RF, bah là on produit 652 kilo RF donc 652 000 RF par tick on a baissé de moitié mais c'est pas si grave que ça parce qu'au final on en reproduit dans les turbines et ça va s'améliorer par la suite on pourra aussi utiliser euh, en fait tout simplement le steam alors c'était pas ici c'était où déjà ah oui, c'était juste là. Le steam qu'on produit ici, on va pouvoir l'utiliser. C'est le même steam en fait. On peut utiliser ce steam-là. Ça fonctionne très très bien. Et comme ça, eh bien, on pourra utiliser ce steam-là. Sachant que j'ai retiré la turbine d'extrême réacteur. Parce qu'elle n'est pas folle pour, pour ce qu'elle produit. Même si elle est max tiers, euh, elle produit moins qu'une turbine de méca. Donc ça, ça va être beaucoup mieux. Au moins, cette turbine-là va nous produire quand même pas mal. Même si là, pour le moment, bah, elle produit très peu. Mais ça, c'est pas si grave que ça. Ça va produire plus. Très bien ok. De toute façon, je pense que je pourrais l'améliorer un petit peu par rapport à, en, en changeant un petit peu le nombre de vents qu'il y a, euh, le nombre de, de disperseurs et tout. Euh, je vais bien voir, je vais tout calculer, je vais voir pour essayer de faire quelque chose d'assez badass. Mais dans, dans tous les cas, les amis, quand on aura masse steam, et je pense qu'en fait, les boilers, je vais refaire un deuxième ici euh, de boiler pour produire encore plus de steam. Euh, vous allez voir, les amis, ça va, ça va dépoter sévère Bon, ben bah, j'ai amélioré un tout petit peu mon boiler qui est là-bas, comme vous pouvez le voir. J'ai rajouté quelques petites valves et j'ai rajouté derrière des infinités. C'est vrai qu'on pouvait faire ça aussi, que ça fonctionne aussi pas. Enfin, pareil que les syncs. C'est juste que j'en avais marre de faire des syncs avec les sodos Du coup, j'ai fait ici les infinites water source parce que ça demande que du verre, du diamant et aussi des sodos Mais je veux dire que du verre, c'est pas du, de la de la concrete. Là. Enfin, pas de la concrete, mais du hardenat clé. Du coup, ça fonctionne aussi bien. Et regardez, on est à 11 millions de RF tick Voilà. Qu'est-ce que... Voilà. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise d'autre, les amis 11 millions d'RF par tick. En vrai, on n'a pas besoin de plus. <laughs> clairement, on n'a pas besoin de plus. Ici, on produit pas mal de Steam. On est à 4,29 giga euh, Kelvin. Donc ça, c'est good. Et on produit 275 000, 000 millibuckets de, euh, de Steam. Donc en vrai, nickel. Et là, on est plutôt bien, à vrai dire, au niveau des RF. Euh, ça, clairement, on n'aura plus besoin de générer d'énergie pendant un petit moment. D'ailleurs, si on va ici... Ça, ça a bien diminué quand on voit ça ici. 12 millions de RF par tick. C'est plutôt pas mal. Et ça va bien me remplir mon tier 8. Enfin, bien me remplir. C'est entre gros guillemets. Parce que c'est infini, on va dire cette cette énergie corps là, mais en vrai, c'est déjà plutôt pas mal. Donc ça c'est good, on a produit pas mal d'énergie avec mecha. donc on pourra voir pas mal d'autres petites choses qui vont nous consommer de l'énergie dans les prochains épisodes. On va pouvoir retourner aussi un petit peu sur les planètes, j'avais fait une petite pause pour pas que vous lassiez aussi des planètes et en même temps, j'avais deux grosses usines à faire qui m'ont pris pas mal de temps, mais vous inquiétez pas, on va retourner vite fait sur les planètes. D'ailleurs, en parlant de planètes, les amis, regardez, est-ce que ça m'a cherché quelque planète ici. Mmh, j'ai Kepler 22B, ah ça c'est cool, on avance petit à petit et j'ai bientôt toutes mes recherches, donc ça c'est bien, on va pouvoir tout visiter ensuite, il nous suffira uniquement de rechercher et eh bien tout simplement les templates des euh, différentes fusées, mais sinon regardez au niveau ici des fusées, donc surtout de Galacticraft, à ce niveau là on a pratiquement tout, voire tout je crois, oh ben bah, on a tout, bah nickel les amis, on a tout récupéré ici, même Kepler 22B qui est celui pour la chair 10 électrique donc en vrai c'est super bien. On pourra tout simplement y aller et eh bien dans les prochains épisodes, enfin pas tout de suite parce que la tier 10, on a encore d'autres tiers un peu à avoir à, avant. Parce que vous allez voir que la tier 10 c'est assez drôle quand on va sur cette planète là. Bon, ben bah, les amis, vous avez quoi Nous on va se laisser là. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez bien voir comme usine. Ça m'intéresse énormément et je vais essayer de vous en faire, sachant qu'il y aura une automatisation des 5 qui sera bientôt faite vous allez voir c'est un truc assez énorme aussi donc voilà donc sur ce je vous dis à la prochaine ciao bye bye salut les amis